Salut et bienvenue sur Investir chez nous. En Afrique, nous avons une grande présence de cafés en Afrique et nous devons vraiment transformer ces cafés. Aujourd'hui, nous allons parler de business, comment transformer les cafés, donc exporter les cafés de l'Afrique en Europe ou aux États-Unis, ou encore transformer les cafés, créer des usines en Afrique qui vont faire la transformation du café, donc la torréfaction du café en Afrique et revendre aux grandes industries ou bien aux grandes firmes qui vont exploiter ces cafés-là. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que en Afrique, nous avons vraiment plusieurs pays en Afrique qui cultivent les cafés, mais nous ne savons pas comment transformer ou bien torréfacter les cafés pour enfin utiliser. Alors ici, nous allons vous montrer quelles sont les machines qui peuvent être utilisées pour la torréfaction du café et enfin le mettre sur emballage pour revendre dans de marchés ou bien magasins. Par exemple, aux États-Unis, il y a un shop qui s'appelle Starbucks. Et si vous allez dans Starbucks, vous allez voir que les cafés qui sont utilisés dans Starbucks sont les cafés qui proviennent de l'Afrique. Plus précisément du Rwanda, du Congo, de l'Éthiopie et du Kenya. Alors ici, ça ne vous empêche pas de faire aussi la transformation du thé pour enfin avoir deux business. Alors nous allons parler de ces deux business-là pour enfin se faire beaucoup de bénéfices avec ces business. Alors ici, c'est la transformation du café. Alors en Afrique, nous avons des champs de café, mais qui ne sont pas exploités. Pourquoi? Parce que en Afrique, c'est pas plusieurs personnes qui consomment les cafés. Alors c'est pour cela, cette matière première est encore moins chère et tu peux l'exploiter. Par exemple, si tu tu vis dans la diaspora, partout là où tu es, tu vas remarquer que beaucoup de tes voisins consomment les cafés. Alors voici comment on fait la transformation des cafés, donc le roasting of coffee, donc la torréfaction du café. Alors tu vas aller sur ton pays ou bien un pays, cible un pays en Afrique où tu penses qu'il y a du café qui n'est pas exploité. Par exemple, je vais dire le Congo, vers Goma, nous avons des cafés qui ne sont pas vraiment exploités. Vous pouvez aller et trouver les gens, les cultivateurs de ces cafés, prendre contact avec eux pour savoir comment vous pouvez commencer à payer ces cafés en gros pour enfin transformer ces cafés et les mettre en vente pour de grandes firmes comme j'ai cité le nom de Starbucks. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Donc c'est pareil que les gens font les business de minerais en Afrique pour vendre aux grandes firmes à l'étranger. Et vous pouvez aussi faire pareil pour les cafés ou encore les thés. Alors, avant, quand nous en disons, c'était que le thé Lipton qui était au marché. Mais maintenant, là, nous voyons qu'il y a plusieurs thés. Le thé pour la perte du poids, le thé pour, par exemple, améliorer ton système de digestion, ton système digestif. Alors, il y a plusieurs personnes qui fabriquent les thés comme ça. Tu peux faire la même procédure. Va, trouve-toi un champ de thé en Afrique. Prends ces produits, achète des machines et passe à la transformation, passe à l'emballage et vous pouvez directement commencer à vendre ces produits. Alors, ici, il y a deux conditions. Pour les deux business, pour le business de transformation du thé et de transformation de café, il y a deux solutions ou bien deux procédures que tu peux faire. Premier processus, c'est que tu pars et tu trouves les gens qui ont des fermes de café ou fermes de thé. Tu négocies avec eux le prix en kilogrammes et tu prends ces cafés qui n'est pas encore traité. Tu les fais traiter de l'extérieur de l'Afrique, par exemple. À Dubaï, il y a des usines qui peuvent traiter les cafés et les mettre sur emballage pour toi. Si tu n'as pas d'argent pour payer les machines qui vont faire le traitement de ces cafés ou bien de ces thés en Afrique, alors ce que tu peux faire, par exemple, tu peux prendre ces produits directement provenant du champ, tu l'envoies dans des usines, par exemple, dans des pays où il y a des usines de traitement de ces cafés-là. Ils peuvent traiter ces cafés comme tu es en train de voir et les mettre sur emballage pour toi et revendre, enfin commencer à revendre ces produits directement. Alors, du même aussi pour le thé. Si tu n'as pas une usine ou bien une machine qui peut faire les transformations de thé, il y a des gens qui vendent des machines comme tu es en train de voir là, qui font les transformations, la transformation de café ou de thé. Et tu peux proposer à ces gens de prendre les thés que tu as et les transformer, les mettre sur emballage pour toi pour enfin revendre ces produits à tes clients ou encore aux grandes firmes qui ont de fast-food qui utilisent les cafés ou les thés pour la vente. Alors, ça, c'est la première condition, ou bien première stratégie. Deuxième stratégie, c'est que tu nous contactes, nous pouvons vous aider à acheter des machines que vous êtes en train de voir. Cette machine qui fait la torréfaction du café ne coûte pas trop cher.
Alors, cette machine, nous pouvons la trouver à, par exemple, 5 000 dollars. Et si tu as 5 000 dollars, nous pouvons t'aider à trouver une très bonne machine qui va faire la torréfaction. Et si tu as 2 500 dollars, on peut encore te trouver une autre machine qui va faire l'emballage. Alors, contacte-nous sur Investir chez nous. Va sur la barre de description. Clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et écris-nous sur nos WhatsApp. Nous allons te répondre. Nous allons t'aider à acheter la machine et à la faire parvenir en Afrique et te donner la formation comment utiliser cette machine que tu es en train de voir pour traiter ton café, le mettre sur emballage et prêt à consommer. Alors, de cette façon ici, tu pourras maintenant contribuer à la transformation de notre matière première en Afrique. Alors, la matière première en Afrique, ce n'est pas seulement les minerais. Comme j'ai dit, la matière première, nous avons plusieurs matières premières. Les piments, tomates, café, comme vous êtes en train de voir, plusieurs personnes consomment du café. Donc, partout là où nous sommes, dans le monde, le café est plus consommé. Je peux dire même plus que le thé. Alors, le café, vraiment, a beaucoup, beaucoup de potentiel. Si tu trouves un champ de café où tu peux commencer à transformer, à torréfacter ces cafés-là, tu pourras facilement te faire beaucoup d'argent avec ça. Donc, c'est un très, très bon business. Et si tu es vraiment intéressé, nous pouvons t'aider à obtenir les machines de traitement pour les thés et pour les cafés. Alors, comme je disais, les cafés étaient très importants parce que ça a vraiment beaucoup de potentiel. C'est tout le monde qui consomme les cafés en Occident et tu pourras transformer, vendre en Afrique et pourquoi pas l'exporter pour l'étranger, pour enfin se faire beaucoup de revenus avec ça. C'est vraiment un très bon business. Nous pourrons t'aider à t'orienter comment trouver la machine à exploiter ces produits-là. Alors, maintenant, si tu n'as pas assez de capital et que tu as trouvé des gens qui peuvent t'aider avec les champs de café, ou par exemple, tu me suis maintenant, tu as des champs de café, mais tu n'as pas l'argent pour à payer les machines. Il y a encore l'autre stratégie que tu peux faire. Tu peux, premièrement, contacter Investir chez nous. Nous allons t'orienter comment trouver les investisseurs. Donc, nous avons une formation qui parle de comment trouver les investisseurs si tu as déjà une matière première. Et ces investisseurs-là vont t'aider à transformer cette matière première. Et peut-être, vous pouvez faire un partenariat de 50-50%. Les investisseurs viendront avec les machines et leur expertise sur les domaines de transformation du café ou bien du thé. Et mettre sur les emballages et commencer à vendre. C'est vraiment un très, 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 très bon business. Donc, contactez-nous sur Investir chez nous. Nous pouvons vous orienter à comment contacter les investisseurs pour enfin exploiter ces domaines-là. Donc, nous sommes là pour vous orienter car nous avons besoin de voir plusieurs entrepreneurs en Afrique et aussi voir beaucoup de gens s'en sortir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, va sur la barre de description, contacte Investir chez nous et nous allons être ravis de t'aider. Laisse-nous des commentaires aussi sur cette chaîne. Nous répondons toujours à tous nos commentaires. Alors, si vous en écrivez sur WhatsApp, restez patient, nous allons répondre à vos messages. Alors, comme j'étais en train de dire, ici, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la transformation de notre matière première. Alors, pour cela, nous avons une formation. Va sur la barre de description, trouve la formation « Comment transformer la matière première en Afrique ». Prends cette formation. Nous avons aussi d'autres formations qui parlent de la transformation de piment, oignon, tomate et consorts. Et aussi, nous avons deux formations. La première, c'était « Comment transformer l'usine, comment produire les savons ». Donc, comment aussi fabriquer de l'eau minérale en Afrique. Nous pouvons t'orienter sur ces domaines-là aussi. Alors, Investir chez nous est une chaîne de la diaspora, chaîne des Africains. Et nous publions nos vidéos chaque lundi, vendredi, mercredi et vendredi. Nous parlons de l'entrepreneuriat, de business à l'ancien en Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois ici, nous t'invitons de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions, comme j'ai dit, lundi, mercredi et vendredi. Et nous avons aussi deux e-books gratuits. Les premiers e-books, le lien est sur la barre de description. Ça parle de comment, quels sont les 20 top business rentables à lancer en Afrique. Cet e-book est gratuit. Va sur la barre de description, télécharge cet e-book pour apprendre sur les 20 top business vraiment rentables en Afrique. Et il y a le deuxième e-book gratuit aussi. Le lien aussi sur la barre de description. Cet e-book parle de pourquoi nous devons investir en Afrique. Donc, ça, c'est aussi très important pour toi. Va sur la barre de description, télécharge cet e-book. Tu peux lire rapidement, dans l'espace de 20 minutes, tu peux déjà finir. Donc, c'est gratuit comme j'ai dit. Et aussi, nous t'invitons d'aller nous joindre sur nos groupes Instagram, groupe, j'allais dire Facebook et WhatsApp et Telegram. Va sur la barre de description, tu trouveras les liens de ces groupes. Joins-nous directement pour ne pas manquer les conversations qui se passent entre entrepreneurs africains. Alors, merci et à la prochaine.